Bonsoir à tous et bienvenue sur Wiz d'Antiball Village pour la suite de l'aventure. Je suis vraiment très content de vous retrouver en extérieur. Enfin, on est sorti de cette maison de malheur. On a récupéré beaucoup de choses, beaucoup d'objets, dont les jambes de notre petite Rose. Ça fait 2 bocales sur 4, on va pouvoir comme ça le mettre dans son emplacement. On a également combiné pour obtenir la clé fœtus à 4 ailes. Et comme ça, on aura accès à la partie est du village qui renferme, il me semble, un trésor. Également, on a récupéré la clé du luthier, on aura accès à sa maison. Et enfin, on a également récupéré la photo d'un oiseau étrange, un oiseau bleu. Et non, ce n'est pas l'oiseau de Twitter, ce n'est pas exactement le même bleu. Je sais où il se trouve, hein, c'est vers l'église, donc normalement on devrait le trouver assez rapidement. Là, on va retourner tout de suite au village. Je pense qu'on a de quoi vendre, qu'on a de quoi se faire un peu de pognon pour acheter amélioration, également faire un peu de cuisine, quoique on n'a pas trop chassé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps. Oh là, attention, alerte aux gargouilles. Je pense qu'on va les laisser passer gentiment, hein. Salut! Allez, maintenant on peut y aller. On passe incognito. Eh, franchement, la séquence d'hier, elle était incroyable. La maison Beneviento, oh, avec le bébé comme ça, ouah, ouah. C'était horrible, vraiment. Pire séquence du jeu, hein. D'accord. Il pleut des zombies. Reste original, hein. Alors attends, fallait qu'on teste une nouvelle pompe. Alors pour info, je l'ai mis en raccourci. On teste. Est-ce que c'est réellement efficace? Il fait pas trop de bruit, bizarrement. Allez, vise la tête. Calme-toi. Et calme-toi. Pas évident de viser avec ce 1911 qui n'est pas vraiment amélioré. Mais normalement, de base, il est plus puissant. Effectivement, il est plus performant que le... que le Lemmy. Hein. Ok, on récupère 540 lei. C'est toujours ça. Donc ouais, pour l'instant, ce pompe fait pas trop de bruit pour le coup. Pas très stylé. Mais normalement, il est plus puissant. Hein. Un puissant fusil à pompe de combat. L'autre, c'est un fusil à pompe couramment utilisé pour la chasse. Donc normalement, c'est quand même moins bon. Hein. Là, on commence à avoir un inventaire assez chargé, mine de rien. Pour l'instant, je garde mes grenades et tout, hein, toutes les bombes tuyaux. Tant qu'on a des ennemis qui sont assez isolés, c'est pas la peine de s'embêter. Et je suis blindaxe de munitions de pistolet. Vraiment, là, on est très très bien. Alors, qu'est-ce que je peux me faire? Alors, je suppose que c'est les mêmes cartouches de fusil, de toute façon. L'un ou l'autre. Allez, je vais m'en faire. J'ai déjà 2 soins, donc pas la peine de s'embêter pour ça. Recharge ton arme et essaye par contre d'en économiser un maximum. Ah, oula. Ils sont à vue de la Vivianite quelque part. Il y a 2 corps qui sont tombés, je crois. Hein. Ah oui, effectivement. Attention. J'espère qu'il y en a un qui va arriver derrière. Attends, j'entends un bruit. Oh punaise, lui ça sort également. Ok, ça sent la bombe tuyau finalement. Petite bombe tuyau, moi je dis. Le problème c'est que si je continue à avancer, peut-être que je vais en avoir d'autres encore. Petit. Venez par ici. N'allez pas dans les hautes herbes. Ah, ils sont 2, hein. J'aimerais bien qu'il y ait 3 qui viennent. Parce qu'il me semble qu'ils sont 3, on est ok, hein. J'ai pas envie de bousiller mes bombes pour rien, par contre. Ce serait trop dommage. Et là, je vais pas prendre de risque non plus. Envoie. Ah, je suis pas sûr que ça ait touché l'autre, hein. Assurer certains. Allez, on va se les faire à distance. Ouais, ils sont encore 2 devant. On esquive. Ah, il recule? Mais non. Attends, je pensais qu'il y avait un script qui pouvait pas aller plus loin. What the fuck? Ah, regardez pourquoi il recule, ce con. Pas tant mieux pour moi, hein. Ok. Ça m'arrange. Mais tellement. J'essaie de viser un maximum la tête, mais bon, quand il s'approche, tu perds un petit peu toute lucidité, toute précision, hein. Fluide chimique. Super. Eh ben écoutez, pas mal cette arme, mais vivement qu'on améliore encore plus, hein. Alors j'ai récupéré un fluide chimique. Je peux me... Ouais, non. Je vais pour l'instant le garder, hein, pour pouvoir me créer d'autres munitions de fusil à pompe. Ah, quel plaisir de te retrouver. Tu as une poupée? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Pas du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai de nouveaux articles. Le traumatisme. Vous, Monsieur Winters. Alors, tu as de nouveaux articles, montre-moi. Ouais, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bah toutes les armes forcément, hein. Mais moi je me dis peut-être qu'on va revendre des armes maintenant dont on ne se sert plus, forcément, hein. Donc, alors attends, je vérifie juste un truc. Est-ce qu'on avait bien tout combiné? Objet clé, non, c'est dans trésor, hein. Collier incomplet, donc ça pour l'instant on n'a pas tout, hein. Mais Madalina, j'avais effectivement mis la tête sur le corps et on a récupéré le crâne noir de Jace. Ou Jace. Bienvenue. Et bienvenue, welcome. Alors, la bourse. On a 2 crânes. Angie. Angie! 28 000? Ah ouais, bien. Madalena, 20 000. Oh là là, mais ce qu'on va se faire comme pognon énorme.
64 000 ? C'est pas mal, ça. Ah, mademoiselle Enchi. Bon, le collier incomplet, pour l'instant, je le vends pas. Hein. Les poupées en porcelaine sont elle est adorable, ouais. C'est ce que j'ai remarqué. C'est un investissement. On n'a pas vraiment la même définition, hein. La cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Bah rien de mieux, parce qu'il me semble qu'on n'a pas récupéré grand-chose, on n'a pas trop chassé, entre-temps. On était occupé, hein. Donc le bazar, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est vrai qu'on a... Ah non, c'est nouveau ça, la poignée ergo. Élément pour une arme de poing, réduit grandement le recul. Alors ça, je vais le prendre. Hein. Ça va vraiment nous aider, je pense. Attache bien sûr l'élément. Une arme qui est franchement beaucoup plus classe. Hein. Le 1897, celui-là, j'ai pas utilisé, j'utilise plus, donc c'est pas la peine. Crosse améliorée. Élément pour un fusil, réduit grandement le recul. Hein. Je vais prendre ça aussi. Hein. À tout ce qui concerne le recul, je pense que c'est hyper, hyper important. Teriez cela. Lunettes grossissantes, ça peut être intéressant également. Allez, je prends ça. Je prends ça, comme ça au moins on pourra viser vraiment de très très loin. Par contre, il faudra être observateur. Et dans l'atelier, bah, on va booster un petit peu notre pistolet. Ah mais attends, j'avais déjà boosté la puissance. D'accord, autant pour moi. Donc plutôt le fusil à pompe alors. Cadence de tir, on peut pas aller plus loin, donc... Ouais, on va dire la puissance. Laissez-moi Allez. Faire. Ah là par contre, j'ai plus beaucoup de sous, hein. Ouais, 2300, plus suffisamment pour améliorer une arme. Je pense également qu'on peut vendre des armes qu'on n'utilise plus. Et cela dit, on peut peut-être les racheter derrière, si jamais. On va essayer. Je suis trop curieux. Parce que les nouvelles, elles vont très bien, hein. Ouais. Alors, le Lemmy. 25 520. Ok. Alors, je suppose que ça prend en compte ce qu'il y a dessus. Ça vaut plus, donc. 39 000 pour le M1911, on l'utilise. Ah ouais, 53 000. Oh, eh ben écoutez, on vend les deux. Ça va nous faire un petit peu beaucoup d'argent, même. Content. Ça fait 48 000 maintenant. Ok, donc je peux continuer d'améliorer mes armes, justement, cool. J'en ai plus que 3, puis comme ça, au moins, ça va me libérer un peu de place dans mon inventaire, tu vois. C'est ça aussi l'avantage. Enfin, je suppose. On va améliorer le fusil. Rechargement. Un instant, je vous prie. Pas mal. Le 1911, je pense qu'on va le mettre à fond. Vu que forcément, on utilise beaucoup de guns. Et le peupon. Ouais, pareil, on peut se permettre d'améliorer les deux. Hein. Attends, il n'y avait pas une valise. Ah, ça y est, Zut. C'est terminé. Non, il n'y a pas de valise. Par contre, les formules. Ça peut être sympa d'avoir la formule pour la bombe tuyau. Je vois. Je vais prendre ça. La mine, bon, j'aime un petit peu moins, pour être franc. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on retrouve le M1897 qui coûte... Ah, qui coûte quand même. Par contre, on garde nos améliorations, hein. Vous remarquerez. Ça, c'est un bon point. Ah, écoutez, je pense que je peux encore améliorer le peupon. Une modification voilà. Comme celle-ci. Donc le pompe, il est à fond. Le pistolet aussi. Maintenant, on peut améliorer celui-là. Cadence au tir, rechargement, capacité, je vais améliorer la puissance. Alors, ah non, je peux pas 15 000. Pas dommage. Que je suis un marchand. Donc la capacité. Voilà, et on est de retour à 2390 lay. C'est bien, ça fait le café. Revenez quand vous voulez. Allez, on va save. Bim, sur la première. C'est parfait. Et on va maintenant mettre le bocal sur le deuxième emplacement. Est-ce qu'on aura le droit encore à une cinématique? On va voir. Et de deux. Non, rien du tout. Bon, tant pis. Alors avant d'aller là-bas, peut-être qu'on va retourner par ici justement pour voir si on peut aller tirer sur l'oiseau bleu. On va commencer par ça. Hein. Ouais, c'est plus proche. Et on aura accès comme ça après à l'autre côté là-bas. L'oiseau bleu, il était par là. Hein. Normalement, la photo a été prise de là-bas. D'accord. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, c'est ouvert maintenant là-bas. Intéressant. Très intéressant. Alors attends, là quand ils sont loin comme ça... Allez. Pas de one shot, hein. C'est quand même triste. Mais deux balles, c'est bien. Allez. Un peu zoomé, hein. Ah oui, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Oh, la lunette. Génial. Poudre noire. 580 lay. Je prends. Pas de corbeau. Bon, toi, tu vas te réveiller, c'est sûr. Non? Ah mais non, ce sont des villageois, j'ai l'impression. Alors attends, maintenant que ça s'est ouvert, y a-t-il quelque chose à l'intérieur? Eh bien oui! Morceau de plaque. Claudie. Claudia sûrement. Claudia Beneviento. Ça aurait pas un rapport avec le trésor justement? C'est quoi ce bruit? Qui est là?
Ah non, c'est la porte qui s'est refermée. Ok. Donc attends, l'oiseau bleu. Ah bah il est là. Je l'ai vu. Super. Et boum. Alors, qu'est-ce que c'est? Gibier juteux? C'est tout? Alors, c'est bien pour la cuisine, hein, mais c'est la photo d'un trésor, entre guillemets, donc je suis un peu déçu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire du coup? Ouais. Est-ce qu'on peut y aller ici? Clé fœtus a 6 ailes. Ah non, c'est 4 ailes qu'on a, il me semble. Attends, vérifie. C'est pas le même, hein. Ouais, 4 ailes. Il nous manque 2 ailes encore. D'accord. Bah écoutez, de ce côté, il me semble qu'on avait fait le café, hein. On avait vraiment tout fouillé. Donc maintenant, on va partir vers la partie est. Bah ouais. Donc on revient vers le marchand vite fait. Et on s'engage. Ah, la lunette, franchement, sur le fusil de précision. Impeccable. J'en suis très très satisfait. Tiens, on passe sur le petit gun. Clé fœtus. Maintenant qu'il a été ajouté, on peut passer cette porte. Waouh, c'est joli, hein. Oula, ça c'est moins joli. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Comment il fait pour être encore vivant, Ethan? C'est un être surnaturel. Tu veux que j'affronte ce loup-garou? La vache. Oh oh, ça rigole zéro, hein. Alors, mes blessures sont graves, je n'en ai plus pour longtemps. Je peux l'entendre rôder dehors. Il a à peine bronché que je lui ai tiré dessus. Quand je lui ai tiré dessus, pardon. J'ai l'impression qu'il joue avec moi. Cette chose n'est pas un loup ordinaire. Merde, j'étais presque. Si seulement j'avais atteint la cabane du moulin à eau, j'aurais pu tuer cette chose avec l'arme qui se trouve. Mon Dieu, j'ai tellement froid. Mes jambes ne répondent plus. Pardonne-moi, Luisa. D'accord, donc il y a une arme à trouver pour le tuer plus facilement. Parce que là, je pense qu'effectivement, avec un gun, même avec un fusil à pompe, ça va peut-être pas être suffisant. C'est pas la maison dans laquelle on était au tout début? Il me semble, hein. Attends, je vais aller voir s'il y a un truc là-haut. Dans le doute. Ah, mais c'est le toit. Ok. Ah, il est là, le bougre. Remarque, tu me diras. Alors, je pense qu'on va aller chercher l'arme, hein, d'abord. Parce qu'à mon avis, le jeu a prévu qu'on ne puisse pas le tuer sans. Mais après, faudrait remonter sur le toit, éventuellement l'allumer avec cette arme. Enfin, ça dépend l'arme après, bien sûr. D'accord. Alors, où est cette baraque? Là, on a le trésor. Arme du moulin. Ah, mais c'est ça! D'accord. Donc, il suffit. La volaille. Bon, on verra après ça. C'est un peu moins important quand même. Il suffit de passer par ici, d'aller chercher le coffre. Et il y en aura un autre par là, hein. Ok, il y a juste deux coffres à récupérer ici. Ce qui est déjà très 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 sympa. Attention, il rôde. On l'entend, hein. J'avoue que j'ai un peu peur de tomber dessus. Doucement. Tranquille. Alors attends, en toute logique, j'ai juste à courir, aller dans la baraque et récupérer l'arme. Oh putain, regarde-le, il est juste en face. Attends, mais c'est ça? Ah mais oui, c'est là. Ok, bouge. Dépêche-toi. Clé fœtus à 4 ailes. Ah zut, c'est pas la bonne clé, je suis con. Non, c'est la clé en fer forgé qu'il faut. Ouais. Ça fait un bail qu'on l'a, celle-là, d'ailleurs. On n'avait pas accès à cette partie est. Ah, c'est le lance-patate. Ok, le GM79. Je prends. Elle est belle, hein. Waouh. Elle est très 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 jolie, avec des grenades incendiaires et tout. Grenade explosive, ça devrait le faire. Ça me rappelle beaucoup Hero 2 Remake, ça, pour le coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme greu? Attends, je revérifie. Explosive, j'en ai 5. Ah ouais, on est bien. On est très très bien. J'avais pas que des explosifs. Si. Munition de magnum. Bon, ça, ce sera qu'on aura l'arme, si on l'obtient un jour. Et j'ai pas la formule, hein, pour faire des grenades explosives. Eh bien, écoutez, allons-y. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je crois qu'il m'a entendu. Ah, je crois qu'il m'a entendu. Vas-y, monte vite. Je monte, je mets à l'abri. Et je vais le tirer de là-haut. Ça va être très facile. Allez, bouge. Prends ça. Ça fait mal, hein. Alors, malin, là.
Ah putain. Ah bah c'est moi qui fais moi le malin. Putain comme il saute. Laisse tomber. Oh oh oh. Fuyez, pauvre fou. Vite. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un crochet. Bon, ici on a l'abri, j'ai l'impression. Bon Dieu. Comme il a bondi. Il est où? Oh, il m'a surpris, ce con. Eh oh. Je sais pas exactement où il est, je pense qu'il est par là. Hein. Oh la vache. Non mais, hé. Il m'a entendu? En vrai, la solution, je pense, c'est vraiment d'à chaque fois aller là-haut. Hein. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il va monter, quoi. Donc non, on reste là, on l'attire à la limite. Et je rentre dans la maison à chaque fois. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il se relève? Encore? Oui, il se relève, effectivement. Normalement, tu ne rentres pas. Allez, au pire, on peut l'allumer ici. Mais tellement... Tiens! Je suis con. Allez, encore une autre. Eh bien, il m'en reste seulement deux. Ça va être limite. Attrape. Bon, vraiment, ça va le faire, quoi, non? Sérieux? Oh là là! Il m'en reste plus qu'une. J'espère que ça va suffire. Tiens, bon appétit. Il est pas mort. Sérieusement? Ah d'accord. 5 grenades explosives et une de pompe. Eh ben dis donc, t'es costaud celui-là. Hein. Ok. Bon maintenant on va s'occuper du second trésor. Oh t'as, quand il a bondi sur le toit, j'ai fait waouh. Incroyable. Attendez, on va fouiller un petit peu d'ailleurs. Hein. Là je vois que la maison est encore en rouge à l'intérieur. On va essayer de voir si on n'a pas oublié des trucs. Je repasse sur le gun vite fait. Ah ouais, la maison est en rouge là. Donc on va aller fouiller un petit peu à l'intérieur vite fait. Et il y a des poules de l'autre côté. Poudre noire. Rien en dessous. Une plante. Ok. On ira en dessous après. Zut. C'est bleu? Non, c'est rouge. Bon, y a un truc en dessous. J'ai entendu ma poule. T'inquiète pas, j'arrive. Je vais m'occuper de toi, ma poulette. Ouais. Oh, c'est bizarre. Tu vas me dire qu'il n'y a rien là-dessous? Oh. D'accord. J'ai oublié quelque chose, mais alors quoi? Bonne question. Ok, donc la poule. De l'autre côté. Attends, je vais me la faire au couteau évidemment, si possible. Ah mais attends, c'est bloqué? Ah, faudrait pouvoir passer par là, mais apparemment, c'est pas possible. Je vais essayer de contourner. Ouais, sûrement de l'autre côté. Et une caisse. Munitions pour pistolet. Ah d'accord, il faut quelque chose. Clé fœtus, volant peut-être? Non. Ah ah. Morceau de plaque, non plus. Ah oui, c'est vrai qu'on avait récupéré ça, putain, j'ai oublié. Eh ben ma petite poule, t'as de la chance. Parce que je n'ai pas accès à ton lieu de résidence. Bon, la plaque par contre, je sais vraiment pas quoi en faire. Hein. Ça c'est un problème. On va essayer d'aller choper le deuxième trésor là-bas. Peut-être qu'il y a un moyen. Ouais, via cette maison. Ouais, je sais pas trop comment on va y avoir accès, honnêtement. Je me demande. Alors. Eh ben écoutez, on va fouiller, hein. C'est quoi ce bruit? Ah. Salut. Est-ce que tu es seul? Réponds-moi. Oula, mais attends, c'est un costaud, ça. Ouatata. Ok. La bombe. Je rigole pas avec ça. Lui, il court trop vite. Tenez. Ouais, ça c'est fait. Les deux en même temps. You are so beautiful. Alors.
là-dedans. Rien du tout. Ça me dérange par contre, tu vois que la maison soit en rouge ici. Ce qui me semblait vraiment avoir tout fouillé. Je vais y refaire un petit tour. Oui, sait-on jamais. Sur un malentendu, peut-être qu'on va trouver ce qu'on a oublié. Alors là, on pouvait barricader si besoin. D'accord. C'est bien rouge. Ouais, c'est en rouge. Est-ce que c'est pas juste la poule? Eh ben non, regarde. Et voilà, c'est bleu. Putain, juste pour un foutu tiroir, quoi. C'est quand même terrible. Bon, la poule, du coup, je laisse tomber. Comme ça, au moins, ça fera un être vivant en plus sur Terre. Je suis content pour elle. Ah oui, au tout début, il me semble qu'on était parti par là-bas, mais on n'avait pas pu aller plus loin. Lac artificiel, dans cette direction. D'accord. Intéressant. C'est recouvert d'une substance visqueuse. J'ai pas eu le temps de lire. Mais attends, en fait, fallait aller à la maison du luthier. Eh ouais. Bon, ce qu'on va faire, on y va maintenant. Et puis ensuite, on verra pour passer cette substance visqueuse, là. Je sais pas encore comment on va faire, mais... Oh, peut-être qu'il faut balancer une grenade dedans, un truc. Il me semble que c'est là, hein. Attends, mais non. C'est pas du tout là. Et d'ailleurs, pourquoi c'est encore en rouge? Un truc que j'avais pas chopé alors. C'est mystérieux. Ah ouais? Non, il y a un truc ici que j'ai pas chopé. What? Un objet? C'est bizarre. Pourtant, on est ok. Qu'il n'y a rien. Putain. Là-haut? Ah, c'est ça? Attends. Ah mais ouais. Cartouche de fusil. Mais ça veut dire que des trucs comme ça, on en trouve un peu partout, hein. Donc faut penser à tirer dessus. D'accord. Eh ben. Alors, la maison du luthier, elle est où? Mais je suis con ou quoi? C'était là qu'on pouvait récupérer le trésor. Mais ouais, c'était chez le luthier. J'avais oublié que c'était chez lui. Oh là là, terrible. Eh bien, on y est du coup. Faut se refarcir tout le village, hein, faut refaire le tour. En raison de la longue absence du luthier, c'est moi qui garde la clé de sa maison. N'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin. Effectivement, c'était le jardinier des Beneviento. Et donc, maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir récupérer le trésor. C'est pas trop tôt. Alors, tiroir. Que dalle. On a une caisse. Des petites cartouches de fusil, ça franchement c'est très cool. D'accord. Et là par contre faut un code. Ah. Alors comment on va faire pour le trouver celui-là? Est-ce qu'il y aurait un indice dans le coin? Un papier ou autre? Ah. Fluide chimique. Ça va pas m'aider à trouver le code. Ok, des photos. On va regarder un peu partout, hein. De toute façon, peut-être le code sur un mur, bêtement, ou dans un placard. Non, c'est très bien aussi, hein, des cartouches de pompe. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ah, ah, sûrement à date d'anniversaire. Happy birthday. 27/09/17. 27/09/17. Et toujours des dates. 27, 09 et 17. L'autre fois, c'était dans la maison Beneviento. C'était la date du mariage, justement, de Ethan et Mia. Une valise. Chargeur grande cape, fusil F2. Oh, c'est bon ça. Alors, bien sûr que je vais équiper, hein. Surtout que c'est une arme qu'on utilise beaucoup. Voilà. Elle commence à devenir assez incroyable, hein, cette arme. Et là, tu remarques qu'on a quand même de la place, hein. Maintenant qu'on a viré deux armes, et on a récupéré en plus ce lance-grenade, donc on en avait bien besoin. Eh bien, je suis content. Je vais vendre mon aigle. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Non, c'est moi qui choisis. Alors. Oh, 20 000. 14 000 l'aigle.
Très bien. Ça, c'est ce que m'a rapporté justement le gros loup. Le gros loup-garou. Ah ah. 36 000. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on Obtenir peut choper de la marchandise est plus important dans le bazar que Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça oui, mon ami. Ce serait bien de pouvoir fabriquer quand même ces trucs-là. Explosives. Ouais, je prends ça. Et allez, je prends les deux. Ah. Soit au moins, on pourra fabriquer ce qu'on veut. Oh tiens, je prends les mines aussi. Soyons fous. C'est pas mal. La cuisine, bah j'ai rien chassé de plus. Là, je peux améliorer la puissance éventuellement. Laissez-moi faire. Ok, remarque la cadence aussi. Eh ben voilà. Maintenant, ah ouais, elle est niveau 3 aussi. Cadence de tir. Vas-y. Quoi? Ah, ça y est, il nous restera terminé. Plus qu'une amélioration hein, pour le F2. C'est le rechargement. Il me manque 10 000 balles. Je vous souhaite de faire bonne route. Merci, mon brave. Alors, attends. Je vais sauvegarder, tant qu'on y est. Voilà. Et maintenant, on y retourne. Et je pense qu'on va devoir simplement détruire, si je ne m'abuse, les... Attends, je suis en train de penser à un truc. Et la plaque qu'on a récupérée, ce serait pas justement pour les tombes, là où il y avait le trésor? Attends, j'ai trop envie d'aller voir. On va aller voir. Parce que t'es bien gentil, mais là, j'avance pas trop vite. Et après, on aura peut-être plus accès à la zone. On est ok que c'est par là-bas. Hein. Ouah, c'est loin. Bon, pas grave, on y retourne. Ah, j'ai trop envie de voir, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Parce qu'on a récupéré une plaque, ça a à voir avec justement les tombes qu'il y avait, le trésor était juste en dessous. Ah, et ça, du coup, on peut le... Ah non. D'accord. Tant pis. Ah oui, il est là. Vivianite. J'ai envie de tirer sur ces trucs, mais apparemment, j'ai tiré dessus, ça n'a rien fait, là. Donc, je vais pas prendre le risque de perdre trop de munitions. Ah, maintenant, ils mettent des caisses. Ah bah écoute, j'ai bien fait de revenir. Grenade explosive. D'accord. Amas de cristaux. Ah bah, je fais carrément bien de revenir, oui. Incroyable. Et là, on aurait pu percer si jamais il y avait des mecs qui nous poursuivaient, quoi. Il n'y a plus la poussette d'ailleurs. Disparu. Alors, on reprend le pont. Et je vais voir si je peux poser la plaque. Et ainsi éventuellement avoir le trésor. Voilà. Tout simplement. C'est plus par là. Ouais. Oh! Attends, c'est une chèvre? Ouais. On va se la faire. Elle était pas là aussi l'autre fois, non? Oula, mais c'est une sacrée chèvre! Oh oh! Salut! Attends. Mais reste ici! Voyons! Où vas-tu? Reviens! Mais. Essaye de parler sa langue, hein, écoutez. Et. Bim! Voilà. Ça, c'est fait. Deux viandes. Bah, c'est bien! C'est très très bien! Par contre, du coup, tu m'as fait faire le tour, là. Je suis où? Ouais. Je vais ressortir. Et ça aussi, il faudrait pas tirer dessus. Mais il y en a partout. Non, c'est pas possible. C'est juste pour la déco. Bon, j'ai tiré sur l'autre, là, qu'il y avait dans la grange, mais... c'est pas le cas pour tout, à mon avis. Hein. Ah, d'accord. Là, c'est la maison, ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est continuer... Attends, on peut pas aller plus loin? Ah, c'est bloqué? Ah bah non! C'était pas bloqué avant! Ah, je suis deg! On peut pas y retourner! Ah non, faut faire le tour! Je suis con! C'est ça! Eh bah non, c'est bloqué aussi! Ah! Par ici! Bah oui! Suis-je bête? Alors, la tombe est là! Quoi? Oh putain! Ah bah non! Ah! Attends, vite, bon! C'est quoi cette angoisse? C'est quoi cette hache? Mon dieu, de hache! Oh oh! Où es-tu? Oh la vache! Mais c'est un demi-dieu! Ah! J'ai trop peur. Je me tire. Ah, il vient pas jusque-là? Ah bah, s'il vient pas jusqu'ici, ça va!
Punaise. Oh, ce fou. Ok. Tiens. Je t'arrive. Je vais te trouver. Headshot. Bouge pas. Je tirais à l'épaule. Non. Ah, j'avoue, j'ai un peu les jetons là. Il est énorme. Tranquille. Ah. Yo. Ah, il s'arrête. T'as un gros naze. Il est énorme, mais finalement, s'il s'arrête là, ça va. Aïe. Et quel con. Aïe, aïe, aïe. Vite. Tire-toi. On va soigner. Ah, il m'a eu, dommage, là, j'avais qu'à rester à distance. Et l'allumer. J'ai pas été assez prudent, j'avoue. Putain de résistant, lui. Ok. Ah putain, je tirais à côté. Oh, c'est ouf. Non. Oh là. Allez, putain, tu fais un mètre jeu, gros. Reviens. Mais il meurt jamais. Non, mais attends, y a vraiment un souci là, il meurt jamais. J'espère que ce trésor il vaut le coup, hein. Ah. Oh là là. C'est incroyable. Mais il va me faire user toutes les munitions. Ce mec. Attends, je suis limite de l'envoyer de bombe, hein. On déconne. Il est excité, le gars. Attends, il y a d'autres zombies qui sortent derrière. Oh, mais pourquoi je suis venu chercher ce trésor? Putain, ça a intérêt à valoir au moins 100 000. Incroyable. Bien, j'attends que ses copains arrivent, je vais balancer une bombe. Attends, mais il faut peut-être... Maintenant que j'y pense... Peut-être qu'ils aient ce truc. Oh. Ok. Attends, il me semble que maintenant il vient vers moi. Putain. Attends. Je vais équiper ici. Raccourci. C'est ouf. Attends. Recharge. C'est incroyable. Vraiment. Allez, c'est petit. Calme-toi. Là, je me tire. C'est un truc de malade. C'est tous des fous, hein, moi je vous le dis. Attends, je vais me faire des munitions de snipe. C'est un truc de marteau, hein. Ouais, je me fais ça. Confectionner également des greux. Ok, je me suis fait plaisir niveau matos. Pense à recharger. Ah, il n'y avait plus de bruit, je me suis dit c'est bon. Penses-tu? Merde, je tire à côté en plus. Ah, bravo. Ok. J'ai récupéré cette arme avant de venir, hein. C'est pas possible. Mais non, mais y'a un truc qu'on n'a pas compris. Tiens. On peut le tuer ou pas? Bon, pire, si on peut pas le tuer, moi je recharge ma game parce que là j'ai perdu toutes mes munitions, quoi. C'est quoi ce délire? Sans déconner. J'y reviens pas, quoi. Attends, mais ça tombe partout en plus. Oh yo yo, mais c'est quoi cet enfer? Ah mais en fait, attends, ça commence à sortir et ça s'en va derrière. Dis-moi que c'est bugué en fait. Dis-moi que c'est bugué, s'il te plaît. Ok. Recule. Il s'en va à chaque fois. Il y a un endroit où ça bloque, tu vois. Là je l'ai bien shooté, voilà, ça y est. C'est incroyable. Ah d'accord. Et là où il se ramène. Putain mais c'est la folie. Ah, ce passage. What? Vous êtes combien?
Ok, je vais les attirer. Bon, par contre, ils ont peut-être pas de limite, hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok! Ouais! Ah, ce trésor de l'enfer! Ah, eux aussi, ils s'arrêtent? Y'a plus personne? D'accord. Je vois. Ah putain, mais si, ils sortent à chaque fois, mais. D'accord, compris. Compris. Il me reste plus qu'une bombe. Équipe vite. Vite, fais le tour, on va les attirer. C'est incroyable. Ok, bon. Maintenant. Fais péter. Fusil à pompe. Ok, pièce détachée, je récupère tout ce que je peux. C'est incroyable ce qui se passe, hein. Oh là là là, on va essayer de se les faire, mais vraiment. On va arrêter sur les munitions de gun parce que les autres munitions sont vraiment trop précieuses, sans déconner. Ça fait chier. Ah là, ouais, on les a bien attirés. Non, j'ai plus de bombes tuyaux. Je peux en faire une normalement. Ah, mais non, j'ai plus de. Oh là là, j'ai plus de ressources. C'est l'enfer. J'ai plus rien du coup, hein. Putain, c'est cragnos. Il y a un tour en arrière, là. Y'a personne derrière? Il semblait entendre un bruit. Cette séquence, on va devoir refaire le plein de matos, hein. C'est incroyable. Attends, et si on place rapidement le truc là? Je peux pas. Oh oui, 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 oui. Bon les gars, on va la faire quelque chose là. Ça va pas le faire. Incroyable. Oh la collate, jolie. Ah oui, elle était belle. Oh là là, y'a rien à dire. Alors là, franchement, c'est du génie. Poudre noire. Bon. Eh ben. La plaque. La plaque. Non? Attends. Bah si. Objet clé. Morceau de plaque, pardon. Je cherchais plaque. Et donc voilà, la calice de Berengario. Eh ben, dis donc. Je suis content du coup. Je suis très 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 content. On a enfin le trésor qui va à mon avis rapporter gros. J'ose espérer, hein. Pièces détachées, ferraille. Fiuyou. C'était quelque chose, hein, cette séquence, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup, hein. Allez, retour vers le marchand. Foya. Alors, combien ça va me rapporter? J'ose espérer que ça vaut au moins 50 000. 5 000. 30 000, le gros. Bon. La calice 18 000. Ça va. Ça va, ça va. Ça valait le coup quand même. L'atelier. Eh ben, je vais finir de booster mon F2. Voilà. Donc là, j'ai full boost. En tout cas, pour l'instant, jusqu'au niveau 3 max. Et le bazar. Le bazar. J'ai plus grand chose à acheter, hein, pour le coup. Là c'est le fusil, je peux racheter éventuellement des trucs. Donc je vais garder, je pense, pour l'instant le pognon que j'ai. Je vais le garder, voir après récupérer peut-être tout ça. Là ça vaut combien? Ça vaut cher, hein. Bon allez, tu sais quoi? Je vois. Autre chose. On va essayer de faire le plein quand même. Parce que là juste en confection, ça va être compliqué. On peut pas également prendre des greux? Ah, je crois pas qu'on puisse prendre des greux, ça c'est un petit peu dommage. Ouais, ne fais je peux prendre des bombes mais pas moi. Des greux. D'accord. Ah, en fait, on avait le truc juteux là. Fais voir 0. Là, il manque 3 volailles, dommage. Ouais, non, mais j'ai pas fait assez de chasse, hein, pour en débloquer. D'accord. Merci de votre vie. Très très bien. Bon, on a full boosté les 3 armes qu'on a, tiens. Ah, mais attends, en fait. Et le lance-patate. Oh oui. On peut l'améliorer? J'ai pas vu. Je l'ai plus? Non, peut-être qu'on peut pas l'améliorer du coup. Bonne journée. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ah, là je peux en faire, attends. Donc plutôt explosive, hein. Ouais. Il me faudrait une plante là, pour en faire une de plus, hein. Faire une bombe tuyau. Ok. Tiens, on recharge ton arme. Et on va partir de ce côté parce que je pense. Tiens, on commence à recharger. Je pense qu'on peut peut-être exploser cette substance bizarre là. Normalement, hein. C'était par là, non? Ah non, de ce côté. Ouais, regarde.
Il y en a tout le long. Qu'est-ce que c'est que ça? Lac artificiel. Ah, ça va être la séquence un petit peu. Hein. RE4 avec le monstre marin, non? Bah écoutez, Ouais. Peut-être avec le lance-gros alors. Ah oui. C'est bien ça. C'est à peu près ce que je pensais. J'ai quand même voulu essayer avec le gun, mais... Hélas. Hélas, olas. Ça n'a pas suffi. Ah, là on a une échelle. Non mais t'es sérieux, on est obligé d'utiliser nos... Oh, c'est chiant. Ouais, je pense qu'il fallait absolument des greux. Ouh. Mais non. Ah, dis-moi que tu peux sauter. Oui, quand même. Ah bon. C'est atteignable. Le moulin. Ah. Ah non, je pensais que c'était les chèvres. C'était cochon. Ça va. Oui, il est énervé. Attends, je vais faire au couteau, si possible. Ouais, je vais faire au couteau. Allez, revenez. De toute façon, ils font pas mal. Bah non. Je vais quand même pas leur tirer dessus, quoi. Ce serait bête de bousiller des munitions. Allez. Ah si. Oh putain. Oh le coup de boule. Ouais bon, ils font pas trop mal non plus. Quoique non, attends, est-ce que c'est pas dû au fait que je l'ai tué à l'effusion de sang? Eh non, c'est bien un coup de boule. Je crois bien, hein. Oh oh, faut s'en méfier, hein, de ces cochons sauvages. Allez, reviens. Ramène ta petite queue en terre bouchon. Allez. Esquive. Ah, qu'est-ce que je m'amuse avec ça, tiens. Ah, c'est vrai que la vidéo, vous savez, on a tourné dans le village pendant 3 quarts d'heure. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu différent du reste, mais franchement, moi j'ai kiffé, hein. Parce que justement, ça faisait souffler un peu, tu vois. Ah, un nouveau labyrinthe. Alors, il faut une boule, hein. Photo. J'ai pas la boule, j'ai pas l'objet pour l'instant pour le faire. Ok, de ce côté. Ah tiens, c'est le même objet qu'il nous faudra ici que celui pour la poule qu'on n'a pas pu atteindre tout à l'heure. Ah, une machine à écrire. Nice. Réservoir. Ascenseur vers le lac. D'accord. Alors bien sûr, on va sauvegarder. Hein. Merde, je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Tiens, photo d'un animal rare. Il est où celui-là? Bon, on verra plus tard. Là, je vais save. Tiens, sur la première. On descend. Normalement, il y a un ascenseur. Pas loin. Ouais. Exactement. Rien à récupérer. Oh, c'est marrant, tu vois, parce que ce Resident Evil, c'est comme le 7, il est à la première personne. Mais j'arrête pas de me l'imaginer à la troisième. Moi, un Resident Evil, c'est tellement plus naturel en TPS. Je sais pas vous, mais moi, ouais, je l'aurais bien vu à la troisième, celui-là. Bon, après, ça aurait été très ressemblant, je pense, à RE4. Il y a quand même beaucoup de différences. Disons qu'il y a tellement, quand même, de clins d'œil à l'univers de Resident Evil 4 que ça en devient parfois un petit peu un mix. C'est pas plus mal. Ah, c'est par là. Mm-hmm. Je sais pas où aller. Labyrinthe. Ouais, on se rapproche de Moro, hein. Et de son arme cachée. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est fermé. Oh, il y a un truc là. Regarde-moi ça. Fragment de cristal. Est-ce que je devais aller par là? Plutôt de l'autre côté. Ça commence à être mouillé. D'accord. Ah, ça, je pense qu'il faut le péter, non? Je suis pas sûr. Ouais, si. Ah, j'ai plus de cartouches. Mais non. Ah, comment je fais du coup? Ah, je suis pas certain que ça faut le péter. Ah, mais non, on peut passer. Oh! Oh. Moro.
les bras. Oh, mère Miranda, pour vous, je ferai n'importe quoi. Je me permets de prendre ça? Attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à redire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule! Attends, je t'en supplie! Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi! Mais si jamais, je fais mieux qu'eux! J'en ai rien à foutre! Attends! Encore un petit peu! S'il te plaît! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile! Tu parles trop! C'est terminé! Tu es pris au piège! Qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est mon territoire, et jamais je te laisserai partir. Ah bah super, échappé à Moreau. Putain, il faut juste que je ressorte, j'ai pas de choix. Let's go. Et ça va être lui du coup, le monstre marin du jeu. Espèce de sale petit voleur. C'est en train de pousser. Je te laisserai pas la voir. Pousser en tous les sens. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai plus du tout de greu en plus. C'était pas de ce côté. Bah, j'ai pas de choix, du coup, c'est par là. Ah, comment je sors d'ici? C'est plutôt à moi de poser la question. Ah. Un joli moulin. Ouais. Ça sent effectivement la phase avec un monstre marin. Eh bien, une grenade explosive. Ça c'est bien, je n'avais plus. Laissez la clé du bateau dans la cabane au fond de la mine, au fond du jardin. Hans est mort, et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident. Le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant, lui et son bateau. Ah, ça rappelle des souvenirs! Ok, le monstre du lac. D'accord, c'est par là-bas. Fais voir juste au bout, là, ici, s'il n'y a pas quelque chose. Ah, on peut prendre le bateau. Ouais, donc c'est l'inverse. Fais voir ici, s'il n'y a pas quelque chose, plutôt. Un coffre. Ouais, je peux pas y aller. D'accord, peut-être avec le bateau, alors. Peut-être qu'avec la barque. Ah, mais faut la clé, oui. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit dans le papier, je crois. Attends. Fais-moi lire. Bon, c'est fait bouffer par un poisson géant. Je crois qu'il vaut mieux arrêter. Laisse la clé du bateau dans la cabane. D'accord. Cabane au fond de la mine. Cabane au fond de la mine. Donc, où est-ce que c'est? T'es gentil. Cabane au fond de la mine. En face, je peux pas y aller. Je fais comment? Pas trop de choix, en fait. Je suis pas censé retourner ici, je pense. Si? La cabane au fond de la mine, alors attends. Eh, là, il faut quoi? À 6 ailes, ouais. Lac artificiel. D'accord. Eh ben écoutez, on doit retourner au fond de la mine. Génial. Je peux pas aller plus loin. Ok. Je peux pas aller plus loin, je peux pas sauter. Y'a pas un truc avec ça? Ah mais je suis con! Il va y avoir un moyen de casser ça. Bah oui. Avec le couteau peut-être? Attends. Je pense pas hein, mais j'essaye. J'ai bien fait. Ça économise. Ouais, c'est sur celle-là qu'on va trouver les clés du bateau. Au fond de la mine. Comme il l'a dit. Si bien. Oula. J'ai entendu un bruit. Hein. Forcément. On va pas être peinard. Oh! Coucou. Headshot! Waouh! Aïe aïe! Retour arrière. Attention! Tu m'as vu?
le salaud! Le pas de côté! Méchant! Méchant garçon! Ok. C'est géré. C'est bon, j'ai rechargé. Il me reste beaucoup de... Ouais, ça va, 9 munitions encore. Ça roule. Crâne cristallisé. On pourra le revendre. Ah, j'aurais pu les aveugler. Alors, c'est vraiment quelque chose que je trouve de secondaire. C'est pas vraiment exploité. Enfin, après, ça dépend du joueur. Moi, j'exploite pas, mais c'est vrai que c'est dommage. Attends, le sac de farine, il est tout au fond, quoi. Comment tu veux. Oh lolo. Un costaud. Ok. On n'est pas prêt. Attends, il y en a un autre de l'autre côté, non. Il n'est pas tout seul, hein. Oh lolo lolo. Allez, si ça fait. Ah. Salut. Oh punaise. Aujourd'hui, ils sont tellement vénères. Ah, il y en a de ce côté. Barricade. Je m'enferme. J'ai récupéré les clés apparemment. Hé, hey, je suis là. Il est déjà rentré. Incroyable. Est-ce que tu peux pas te confectionner? Non. Par contre, je dois avoir une bombe tuyau. En général, j'aime bien les garder quand même. Ouais, c'est chiant. Si, je vais prendre ça. Recharge. La vache. Putain, je l'ai pas prévu. Tiens. Salopio, mais ils sont partout. On monte tellement de munitions. Je récupère une plante. Ah, là, par contre, c'est le moment. Sunfish. Incroyable. Incroyable. Quoi? Mais attends, ils sont tous vivants? Alors que j'ai envoyé une beban. Allô? Je suis bloqué. Soigne-toi. Je suis dans la merde. Je gère tellement mal. Ça meurt jamais aussi. Incroyable. Allez. Le gros est mort, je crois. Hein. Ouais. Ouh. C'est bon. Je vais exploser son crâne. Eh bah dis donc. C'était tendu, là. Hein. Encore une fois. Je trouve qu'on a un manque de ressources. C'est pas comme dans le set où justement on était vraiment... vraiment full tout le temps. Les clés du bateau. Enfin. Eh bah, il est long. On va pouvoir y aller. Tiens, y'aurait pas un truc par là? Ah bah attends, c'est de là où je viens de toute façon. La zone est en rouge. Donc, en théorie, on n'a pas tout pris. Ah ouais, là, regarde. On peut y aller. Et maintenant, toujours en rouge. Alors, quand même essayer de bien fouiller. Hein. Parce que là, franchement, on est vraiment limite, je trouve, en termes de ressources. C'est pas terrible. Fais bien le tour de la maison, de la cabane. Je vais revérifier à l'intérieur vite fait. Bien tout pris. Ouais, j'ai bien tout pris. Repasse sur le gun. Recharge toutes tes armes, c'était vraiment tendu là. Pourtant j'ai utilisé bombe tuyau et tout, mais même. Infernal. Ouais, bah écoutez, je sais pas pourquoi c'est encore en rouge. Tant pis. J'ai regardé un peu partout. Osef. Ah, c'est ce truc là. À tous les coups. Eh oui. Parfait. La zone est bleue. Qu'est-ce que je peux confectionner? Du soin. Ah ouais, j'en ai bien besoin. Deux de soins même, je dirais. Et une petite bombe. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ah, déjà, on se sent un peu mieux. J'espère qu'il y aura un marchand aussi dans pas trop longtemps, si possible. Ah attends, c'est par où qu'il fallait aller? C'est par là, il me semble.
Yes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va pouvoir prendre le bateau. Et ensuite, ça va être la fiesta. Ah, il me semblait. Attends. Qui est là? Ah, là-haut. Il me semblait bien. C'est bon, one shot. Ah. Ouh, alors celui-là, mon pote, à montrer dans les écoles. Oh que oui. Magnifique. Je me rattrape un peu pour la situation calamiteuse d'avant. par contre, ouais, le mec là-haut, je peux pas récupérer la récompense? C'est con. Ou alors le jeu me l'a filé directement, je sais pas. Je crois pas, hein. Bon, tant pis, ma foi. Donc le bateau. Y'a pas un truc là? Il me semble avoir vu un logo, mais j'ai rêvé. Allons-y. Ça se trouve, c'est le logo de la... du bateau. Incroyable. Quelle séquence. Naviguer. Attends, est-ce que je peux naviguer pour aller chercher le coffre là-bas, juste? Oui. Non. Attends. Ah bah, je sais pas du tout comment le choper. Bon, on verra après. Hein. Vous me direz si vous avez une idée dans les commentaires. C'est vraiment moi qui dirige le bateau. Ça me rappelle les séquences... Oh putain! C'était quoi? Le monstre marin? C'est Moro? Je suppose? On va directement... Attends, si on fait le tour par là... Ouais, non. On va aller dans la grotte. On s'arrête là, dans un premier temps. Je débarque. On va se le faire. Sans problème. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bique-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hey! Vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Oh! Moi, je veux bien rester en dehors, mais bon. J'ai comme l'impression que je suis concerné. Merde! Approche pas! Toi, la sortie est sous l'eau. T'es foutu! J'ai pas le temps, là! C'est... Trop tard, Miranda, prépare déjà la cérémonie. Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié. Dis pas ça. C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi. Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Oh, bon sang. Oh, pourquoi? Pourquoi?
Elle me fait presque de la peine en vrai. D'accord. Je crois bien qu'on est concerné. Saute. On va devoir s'en occuper. Et maintenant, je fais quoi? Eh bien maintenant, faut trouver un moyen pour s'en débarrasser. Comment? C'est ce qu'on va découvrir. Clinique de Moreau. D'accord. Et si je monte de ce côté? Est-ce qu'on peut avoir une petite sauvegarde, s'il vous plaît? Il a dit que la sortie était sous l'eau. Calme-toi. Le poste de garde. Ah, il y a une note. Regardez là-bas. Il est gros, hein, par contre. Ouais. Ça peut peut-être nous aider. À quoi, je ne sais pas. On verra bien. Si j'arrive à vider cette eau. Merde, y a pas de courant. Évidemment. Alors, instruction pour l'utilisation des vannes. Lorsque de fortes pluies menacent la zone de pêche, il est conseillé d'évacuer le trop plein d'eau en suivant les étapes ci-dessous. Actionnez les moulins à vent à l'aide d'une manivelle pour avoir du courant dans le poste de garde. Tirez le levier pour ouvrir les vannes. D'accord, manivelle pour avoir du courant dans le poste de garde. Attends, je vais voir de ce côté. Oh tiens! Sympa ça! Bienvenue! Salut mon gros! Alors, fragment de cristal, j'en ai un, crâne cristallisé, le perfect. Ça me donne 40 000. Qu'est-ce que tu as pour moi ici? Bah, t'as pas grand chose, hein. C'est pas ouf. Les armes sont full améliorées, c'est donc pour l'instant. Ethan. Je peux pas faire grand chose. Ouais, pour l'instant, je vais garder mes sous, hein. Vraiment, hein. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose. Ah, une salle de sauvegarde! Génial. Alors honnêtement, j'aimerais bien en finir avec Moreau, là, aujourd'hui. Parce que j'ai hâte de voir la suite, quand même. J'aimerais bien faire... Parce que je suppose que ça va être un boss, donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Si vous pouvez faire tout ça en une seule vidéo. Envie pressante. Ouvrir la porte de toutes les latrines du village au cours d'une partie. Ah, c'est le dernier? Oh... Dommage ça. Donc on va retrouver le moulin. Cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Et il ne faudrait pas que ça arrive, parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. D'accord. La fameuse manivelle. Oh, oh, des poules. Salut. Pardon mes biches. Allez, de la volaille. Ça par contre c'est bien, je pourrais faire de la cuisine. Fragment de cristal, super. Ferraille, je prends, je peux pas aller plus loin. Donc on a le premier moulin ici. Hein. Premier ou le, deux, ou le deuxième, je sais pas. La manivelle est là, super. 700 delay. Attends, déjà prends la manivelle, dans un premier temps. Ah d'accord, tu fais tourner. Je pensais que c'était la manivelle. Ah bah si, d'accord. Putain, j'y crois pas. Tu l'as récupéré? Attends, c'est bien ça. Dis-moi. Photo... Je crois pas en plus. Ah bah non. Moi, je pensais que c'était la manivelle qu'on récupérait là-dessus. Bah, dis donc. Fais juste le tour vite fait, voir s'il y a rien de ce côté. Non, du tout. On descend. C'est vachement bien cette séquence parce que c'est quand même assez ouvert. Par contre, c'est vrai que c'est très action. Hein. Pour ceux qui aiment bien vraiment l'horreur 100%, c'est moins pour vous et moi j'adore. Vraiment, c'est mes séquences préférées quand c'est relativement action, comme RE4. Bon, RE5, c'était peut-être un petit peu trop action. Mais là, je trouve qu'ils ont trouvé un petit peu un juste milieu. Moi, ce qui est 100% horrifique, c'est un peu moins mon truc. Oula. D'accord. On peut passer par là. Par contre, j'ai peur qu'il sorte de l'eau, moi. Munitions. En plus, si on me file des munitions, ça me conforte dans mon idée que ça risque d'être la mouise. Hein.
Et voilà, c'était sûr. Je suis mort. Ah bah, dans ce cas-là, on va éviter. Hein, Ethan ? Il est où ? Il est là ? Alors attends qu'il passe, hein. Il est énorme ! Vas-y, maintenant qu'il est passé. Ah. Tire dessus, directement. On tire à plusieurs endroits, non ? Il est où ? Ok. Oh, ah. Allez, let's go. Ah, effectivement. C'est bien ça. Ouh là là ! Il y avait également une planche à gauche, t'es sûr. Attends qu'il passe. Il est dégueulasse. Ouais, c'est vrai qu'il fait un tout petit peu penser au monstre du lac de Vero 4. C'est pas non plus abusé, sincèrement. Pas exactement le même, mais... dans l'idée. Forcément, c'est repris. Cartouche de fusil. J'aimerais bien aller en face, mais je peux pas y aller pour l'instant. Ah, ça par contre, je peux te pousser. Allez, Oïs. Il arrive. Il plonge comme ça. Pourquoi j'ai la manette qui vibre ? Je sais pas pourquoi. Ouais, de ce côté, je peux toujours pas y aller. Donc là... Attends, comment ça marche ? Comment ça marche ? Je suis là. Faut que je saute ? Ah non, c'est ici. Ok. Comprendo. Oh, oh, ça chlin. C'est dégueulasse. Des vers partout. J'ai un peu de temps, ça. Je mets 3 ans à comprendre. Ok, t'as remonté le truc. Moi, je dois faire le tour. Punaise. Allez. La deuxième. T'es gentil. Il y a l'affreux là, hein. Ah d'accord, donc ça ne dure qu'un temps en plus. Et ce truc là-bas, pourquoi je l'ai activé? Parce que pour l'instant, je ne laisse pas y aller, hein. Il manque une deuxième partie. On est ok avec ça. Bon, de toute façon, j'ai pas de choix en l'occurrence. Allez. On va aller de ce côté, hein. Let's go. Vas-y. Allez, allez, allez. Ok. Oh. Il y en a plein de partout. Mais ils sont de Magnum. J'ai pas le Magnum. Qu'est-ce que j'ai activé là? J'en ai aucune foutue idée. Je ne sais pas ce que j'ai activé. Ah. Non, les oranges, d'abord. Là, celle-là. Et après, la bleue. Je dirais que c'est ça. Mais je trouve. Allez, encore. On a remis les oranges entre-temps. Yes! C'est bon. On avance. Oh! Putain, viens de me sauter au-dessus! Je croyais que j'étais pas bon. Ah! Aïe, aïe, aïe! Non, c'est moi le meilleur. Je vais te le montrer. Non. Elle dégage. Ça passe, ça passe. T'es fou. Ah d'accord. Et là, tu peux pousser celle-là. Voilà. Je suis revenu ici. Attends qu'il passe, hein. C'est pas le fou. C'est pas où j'étais tout à l'heure. Si, c'est où j'étais tout à l'heure, ça.
Et donc ça m'avançait à quoi? Maintenant j'ai pu revenir ici. Ah bah oui, j'ai activé les trucs du coup. Attends. Bah, c'était là avant? Je suis perdu. Je cherche pas à comprendre. Maintenant on peut y aller, ok, ça j'ai compris. Partout dans ça, un vrai labyrinthe aussi, je trouve. On se laisse un peu guider. Ah, d'accord, là il me faut. Mais j'en ai pas! Abusé! Ouais, c'est... ça suffit. Il me semble que c'était une aveuglante en plus. Hein. Si je dis pas de conneries. Par contre, ce qui me dérange, c'est que je vais plus avoir du tout. Ouais, je vais plus avoir de grenade du tout pour le boss. Ça, ça risque de me coûter cher. Hein. Ça va être compliqué à tuer, ça se trouve. Alors. Active. Bonne pêche, on dirait. Bonne pêche, bonne pêche. Ça reste là. D'accord. Je me dépêche. Aïe aïe. Ouais, sauf que je peux pas. Sortir. Comment je fais? J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Comment je fais? Une bombe? Tu penses qu'une bombe ça passe? Aïe! Oh non! Ah bah je suis mort. Je pense. Eh ouais. Aïe aïe aïe! La première mort! La première mort, bien sûr qu'on n'aura pas baissé la difficulté. Mais du coup, non, je me suis foutu dedans parce que... on dirait. Je pense à en reprendre là, bah ça va, on reprendre pas loin. Ouais, ce qui me dérange, c'est que... j'ai plus de greux. Donc est-ce qu'on peut l'exploser simplement avec une... avec une bombe tuyau? Là est la question, on va essayer. Ouais, ça le fait, je crois. Ça le fait. Ok, le choix. Et bouge. Incroyable. Oui. Ah oui. Là il y a un truc, attends. Hein? Ah! Tiens. Voilà. Une échelle. Il faut avoir un peu plus d'ici. C'est juste que comme d'habitude, je plie de temps ça. Tu as une grande bouche. Eh, c'est Toto celui-là, hein. Il va nous refaire un remake de, hein, de Jurassic World, là. Avec le dinosaure dans l'eau. Impossible de monter comme ça. Ah bah oui, c'est sûr, il manque un bout. Hein. Et donc... la manivelle, ça y est, je l'ai. Bon, faut pas interagir avec la manivelle et l'échelle, hein, ça rime à rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec celle-ci? Porte est déformée, impossible de l'ouvrir. Ouais. Mais, et donc? Attends. Tu peux pas t'en servir du coup? Je pense que si. Vas-y, let's go. Eh bien. Il y aura de la taille le Galax aujourd'hui, hein. On a tourné ça. D'accord. Oh, c'est génial. En plus, il se déchaîne là. Yes. C'est moi. C'est pas passé loin. Bon Dieu. Manivelle. Fait tourner. On n'aura plus qu'à baisser l'eau et une fois que l'eau sera baissée, okay. Normalement, yes, on a du jus. Une fois que l'eau sera baissée, normalement, on pourra se le faire. Donc on retourne ici. Il me semble qu'il y avait le marchand pas loin aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a le marchand pas loin. Je vais aller le voir vite fait avant qu'on aille plus loin. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Alors, fragment de cristal. Pour l'instant, je te vends que ça. Vous n'avez pas mieux à me proposer.
Est-ce que t'as autre chose? Attends, tu vas me filer une ou deux bombes, hein. Ouais, une mine à la limite, ça peut être bien. Habituellement, je prends pas des trucs comme ça, mais ça commence à devenir tellement limite dans le jeu que je préfère. Avoir la cuisine. C'était je peux faire ça. Un plat composé de volaille et de... Réduit les dégâts subis lorsque vous vous protégez. Ouais. J'ai pas un autre truc, non? 4, 8, 1. Je peux faire ça. Augmente grandement votre vie. Ouais. Ah, merci. Merci. Eh ben voilà, complété. Lui qui a cuisiné. Génial. Préparation du plat. Ça va nous être très utile. On va avoir une vie beaucoup plus grande. On pourra se faire Désolé toucher comme ça. Voici votre part. Tokitura depuis. Votre vie a grandement augmenté. Je n'aurais jamais imaginé manger un tel plat dans cette région. Je pense que j'ai plus qu'il faut pour le reste. Hein. Ouais, zéro, j'ai plus grand chose. Ok. Très bien. Ça fera on va save. Hein. On va save. Un bon repas. Et maintenant, on va s'occuper de ce moreau. Il serait temps. Ah d'accord, donc là il faut reproduire le truc. Ah bah attends, peut-être que je suis pas dans le bon sens. Ah oui, il y a la petite antenne. Ah c'est comme ça. Oh l'enfoiré. Ok, donc c'est deux bleus en bas, orange. Ok, ok. Deux bleus en bas, orange. Attends, je regarde dans le bon sens. En haut c'est orange. Non, donc là c'est bleu, hein. Je me suis trompé. Bleu, là c'est orange. Blanc. Ouais. Et la bleue. Voilà, ok, j'ai compris. Eh ben mon dieu. Allez. Pouf. C'est le moment de vidéo. Moro va pas être content. Super. Comme tu dis. Trouvez la sortie. Allez. Non. Attends, j'ai plus rien en plus. C'est ouf. Bombe, mine. Je peux pas me faire de grenades. Hein. Et on peut pas en acheter en plus, hein, d'ailleurs. On peut pas du tout en acheter. Normalement, il peut pas rentrer. Attends, mais il est parti où? Hé, t'es où, Moro? Il est parti par là, je crois. Ouais, il a tout cassé, regarde. Tu laisses du verre partout. Des poiscailles. On n'avait pas accès à cette zone encore. 1000 lei, bien. Ça rapporte quasiment autant qu'une gargouille. Tiroir. 1er octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois, comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquide et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. C'est dégueulasse. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican. Alors je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes plus fortes. Mais moi, j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. C'est horrible. Le magnum? Non. Chargeur grande capacité pour le M1911. Bah c'est bien. Je vais l'équiper, bien sûr. Le M19 que maintenant j'utilise. Ouais, je pense que j'ai quand même bien fait de vendre mes armes. Hein. Par contre, c'est vrai que j'ai limite trop d'argent. Je sais pas comment m'en servir, tu vois. Parce que maintenant qu'on a amélioré les 3 armes qu'on utilise, ouais. Limite, j'en ai en trop, quoi. Enfin, en attendant de débloquer les autres niveaux d'amélioration. On finira, bien sûr, par s'en servir. Tiens, ce jaune, là. Ah, des objets. Ferraille, plus chimique. Munition au pistolet. Très bien. Ouh. Ça sent le boss, ça. Wow. Ah oui, d'accord. Je suis grave fier. Effectivement. Regarde. Par contre, ce qui est chiant. Oh, il va me dégueuler dessus. Ah merde, j'ai pas tout pris. Attends. Vite. Ok, bouge. Ah, on peut le faire péter! Génial! Viens par ici, mon petit! Pistolet. Il est où? Ah! Il est là, putain! Aïe aïe! Quel con! Je savais pas qu'il était là, moi. Par ici, par ici.
va exploser. Attends, là-bas ou bien? Il est là-bas, non? Ah, merde! Approche, petit! Maintenant! Brûle! Ne regarde pas comme ça! On va tirer sur chaque tonneau, hein. Incroyable. Ok, je fais le tour. J'en ai vu un de l'autre côté, là. Par ici. Il arrive. Ah non! Je me suis trompé! Pardon! J'ai glissé, chef! Ici! Il vient de ce côté, hein. Mais non, mais c'est pas vrai, du mauvais côté, bien sûr! Tiens! Allez! Tu penses qu'on tue juste en tirant sur les tonneaux? Moi, je pense, hein. Te retourne pas, hein. Par ici, et tu n'en parles que tu ne m'en pas, ces messieurs. Ah d'accord, il se retourne comme un chat. Ok. Génial. Par ici. Non, il va arriver derrière moi. Oh putain, il est là-haut. Qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe, aïe. Pas cool. Pas cool du tout, c'est de l'acide. Te soigner, vite. Soigne-toi, mon petit. Non, il m'a tué. C'est pas vrai. Mais non! Mais je voulais me soigner, j'ai pas pu! Abusé! Bon. Nouvelle tentative. Putain, il est chaud, sans déconner. Ah, il est méga chaud. Alors, attends. Bon, c'est bien, on voit à peu près ce que ça va donner. Donc, on prend le gun, on cherche pas à s'embêter. Bon, il va détruire pas mal l'environnement. Allez, bouge-toi. Premier tonneau par ici, il est chaud lui, hein. Ouh. Il vient par où? Derrière. Ah, il traverse carrément. Oh le salaud! Ah, il me refait la même chose. Abusé. Il fait exactement les mêmes conneries. Allez, go. De ce côté. Viens par là. Bien, mon petit. Bien, approche encore et bim! Correct. Je pense qu'il faut laisser passer du temps. Faut se balader un petit peu avant de. D'espérer pouvoir. Pouvoir la voir. Deux! Le deuxième. Et de deux. Pourquoi? Parce que c'est cool. J'adore les explosions. Par contre, je pense qu'on le tue juste avec le gun. Ah, mais faut se cacher un moment. Ah, voilà, il monte et là, peut-être se planquer sous un toit, tu vois. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, on se planque. Admettons. Parce qu'il doit en envoyer partout. Ouais, c'est bien ça. Ah, si tu te prends pas, t'es mort, quoi. Ça, c'est incroyable. Attends, je profite pour voir si je peux confectionner quelque chose. La bombe. Bah non, mais du coup, pour plus, je pense que c'est juste ça, quoi. Tu peux y aller? Ouais. Par ici, petit. Je suis là. Ah, il saute comment, lui? Il est énorme. Je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, bim. Bien, wesh. Ah non, je vais pas m'arrêter. C'est pas dans mes intentions. Par contre, je me demande est-ce qu'il nous reste un tonneau explosif. Pas l'impression. C'est un petit peu le problème. Oh putain, je suis bloqué. Oh merde. Bouge. Hey garçon. Je suis bloqué. Je suis mort. Je suis mort, je suis bloqué. Ok. Comment faire? Bombe. Je me suis auto-explosé. Ah oui. Allez, encore une autre. J'ai une mine aussi si tu veux. T'es très moche. Vite la mine. Tiens. Oh lolo. Je t'ai bloqué. Mais je suis con, j'aurais dû directement penser à péter le truc. Bah oui, littéralement. Merci pour tout ça, merci.
Bah écoute, maintenant, y a plus de tonneau. On va devoir nous faire comme ça. Aïe aïe aïe. Ils ont pistolet, c'était pas spécialement important de les prendre là-bas. Ok. C'est incroyable. Oh alors. Faut tirer. Ouais, il est moche. Fuyez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur parce que parfois il arrive d'un coup, tu vois. Il glisse. Et voilà, par exemple. C'est ce que je disais. Soigne-toi. Est-ce qu'on pourrait se confectionner une bombe tuyau supplémentaire? Ah, j'ai deux mines au fait. J'ai deux mines. Ouais. Petite bombe tuyau. La mine. Je vais la poser. Par ici. Je suis là. Petit, petit, petit. Ok, tu m'as vu. Allez, viens par là. Je t'attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Nouvelle mine. Let's go. Tire-toi. Remarque, j'aurais peut-être dû... Ah merde, il vient de ce côté. J'aurais peut-être dû utiliser la mine pour faire exploser ces trucs qui laissent la remarque. Ah non, faut s'abriter. Ah. Ok, bon la mine par contre elle va exploser, non? Apparemment ça la pète pas, tant mieux. Je pense donc ensuite à la tirer par ici. Par contre on est de plus en plus bloqué là dans l'arène. C'est chiant. Ok. Oh. Mais il va tout péter après de toute façon. Par ici, viens péter ce que t'as mis là. Viens péter ton bordel. Allez. Tu viens ou pas? Bah écoute. Ah merde. Allez, approche. Il y a une mine droit devant. Ah. Ça envoie de l'acide. Avance un peu, petit. Avance. Voilà. T'as compris. C'est la vie. Y'a pas de pourquoi. C'est incroyable. Oh, ouyouyouy. Ah! Il est incroyable lui! Putain, il va jusque là, c'est fou! Ouyouyouyouyouy! Aïe aïe aïe! Aïe aïe! J'ai pas le temps, vieux! Tiens! Allez! Non! Il est incroyable! Il me reste quelques cartouches! Oui! Oh, c'est bon, non? Ah non! Je pensais qu'on y était! Oh putain, il se met en position vénère là! Je vais tirer dans le bidon! Ah, il est incroyable lui, hein! Oh lolo! Oh, il veut me dégouler dessus! Aïe aïe aïe! Ça pique! Incroyable! Oui! Comme un poisson dans l'eau! Élégant. Les yeux de Moreau. Il aura été dégueulasse. Jusqu'au bout. Carrément. Et bien voilà. Un peu plus loin. Ouh. Ah, ça rigolait pas, hein. Ah bah je suis content, en tout cas, on l'a terminé aujourd'hui. Ça fera une bonne grosse vidéo. Parce que j'en voyais certains dans les commentaires qui se plaignaient. Qui disaient, oh Galax, habituellement, tu nous fais au moins une heure de vidéo. Là, en ce moment, c'est plus 45-50 minutes. Bah au moins comme ça, vous serez content. Ça c'est la clé fœtus.
Attends, je vais voir de ce côté. S'il pouvait y avoir une save, ce serait encore mieux. Mère Miranda m'a donné un bocal de roses. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me laisserait de côté. Mais Heisenberg, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs, a dit qu'on devait être tous là pour que la cérémonie ait lieu et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en ficher, par contre. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, elle va pouvoir récupérer sa vraie fille, même si elle est morte depuis longtemps. Mais si elle y arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je suis pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je veux pas. Non. On dirait une mitraillette. Non. Ah, le pauvre. Cadou. Ce truc est vivant. Et donc, interagir. C'est les deux ailes qui lui manquaient. C'est ça. Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les quatre bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Aller à la forteresse. Ok. On peut faire un truc avec ça? J'ai pas l'impression. Y'a pas une sauvegarde dans le coin? Bon, je pense que ça a sauvegardé automatiquement, hein, mais j'aimerais bien avoir une machine à écrire, tu vois. On peut pas aller plus loin. Ok. On va avancer un tout petit peu dans ce cas, alors. On va peut-être retourner au village, remarque, maintenant, non? Attends, on va où, là? Ah oui, il y a un trésor juste à côté. Arme cachée de Moreau. Ah, mais ça va nous faire retourner au village de ce côté. Ouais, eh bah tant mieux. Allez. On pourra sauvegarder. Tout droit? Ah ouais, on revient ici après. Ok. On remonte vers le village. C'était vraiment top aujourd'hui. Hein. Franchement, je me suis éclaté. Alors j'ai eu peur 2-3 fois quand même avec le grand méchant loup. Au début, le gros loup-garou qu'on a combattu. Avec également, vous savez, quand on a mis la plaque de Claudia. Franchement, c'était ouf cette séquence aussi. Et là, bon, avec le monstre, avec Moreau. Forcément, c'était pas piqué des hannetons. A été surtout long le combat, après il n'y avait rien de très compliqué. Ah ouais, attends. Ouais, on remonte. Elle est où la prochaine machine à écrire? Elle est là. C'est très bien. Eh bien écoutez, je save et on va cesser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Resident Evil. Evil Village. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite dès demain sur la chaîne. Et n'oubliez pas également le début de AC Valhalla, le premier DLC sorti hier. Et ça continue en parallèle de cette série tous les jours. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao!